Oh bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Ce grand jour tant attendu est arrivé. Ce jour où est née encore l'Église. Ce jour où Jésus-Christ, ayant reçu du Père l'Esprit, l'a répandu sur ses élus. Ce jour où l'Esprit Saint est descendu sur le disciple immédiat. Ce jour où l'Église est née. Voilà pourquoi je t'invite, ô bien-aimé, de dire merci à Dieu, de remercier le Seigneur pour son amour, pour sa fidélité. Dis merci à Dieu parce qu'il t'a choisi. Dis merci à Dieu parce que son esprit habite en toi. Dis merci à Dieu parce que ce jour tant attendu est arrivé. Dieu a voulu que tu sois en vie. Dieu a voulu que tu puisses encore penser à l'œuvre de la croix. Dieu a voulu que tu penses encore à la naissance à l'Église. Dis merci à Dieu. Rends grâce à Dieu parce qu'il est fidèle. Rends grâce à Dieu parce qu'il est merveilleux. Rends grâce à Dieu parce qu'il est un Dieu véritable. Il est un Dieu qui dit la chose arrive. Il est un Dieu qui ordonne et il existe. Dis merci au Seigneur parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est redoutable, parce qu'il est adorable. Bien-aimé, prie. Dis merci à Dieu. Rends grâce à Dieu pour la venue du Saint-Esprit, sans lequel, sans lui, l'Église n'allait pas avoir son sens. Sans lui, nous serons, oh, combien de victimes face à notre ennemi. Combien nous serons faibles, mais Dieu, par son amour, nous a envoyé son esprit. Disons merci à Dieu pour son amour, parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est redoutable. Oh Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire pour ta fidélité, nous te rendons grâce pour ton amour. En ce jour où tu portes encore ton regard sur nous, en ce jour où tu viens encore nous rassurer que tu es présent dans nos vies, en ce jour où tu viens encore nous dire que oui, l'Esprit est avec vous, n'ayez pas peur, ne craignez rien. Merci Éternel, parce que tu as renouvelé en nous encore le souffle de vie, la paix, la bonne santé. Tu as renouvelé encore en nous tes bontés, Seigneur. Nous te disons grand merci pour cela. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, Éternel, parce que tu es merveilleux, parce que tu es redoutable, parce que tu es adorable. Tu règnes, ô Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es là parmi nous. Tu es là à nous. Tu es là sur nous. Tu es là avec nous. Tu agis en ce lieu éternel. Tu agis dans nos vies. Tu agis dans la vie de tes élus éternels. C'est toi qui as dit, éternel, que tu seras avec nous. Tu es avec nous tous les jours. Voilà pourquoi nous te bénissons encore en ces jours, oh combien merveilleux, en ces jours où nous pensons encore à la puissance du Saint-Esprit, l'Esprit d'adoption. Oh Seigneur, tu as fait de nous des enfants de Dieu. Voilà pourquoi ton Esprit nous les confirme. Ton Esprit nous atteste que réellement nous sommes enfants de Dieu et il a accepté d'habiter en nous pour nous confirmer que l'œuvre que Christ a accomplie n'était pas une œuvre sans fondement, mais c'était une œuvre irrévocable et irréversible. Béni sois-tu, Père éternel, parce que tu es merveilleux, parce que tu es redoutable, parce que tu es adorable. Merci Jésus, merci Seigneur, parce que tu es là Seigneur, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, béni sois-tu, ô Seigneur, parce que tu es merveilleux, parce que tu es redoutable. Bien-aimé, voici ce que la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 1, 16 à 19, parce que j'aimerais nous pousser à désirer encore un second souffle. Paul va dire ceci: je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de la puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Nous allons encore inviter encore le Saint-Esprit. Chacun de nous va prier. Bien-aimé, tu vas inviter le Saint-Esprit. Pendant que nous serons en train de chanter Kita, toi là où tu es, tu vas commencer à inviter, dis au Saint-Esprit, en cette période de confinement, en cette période de pandémie, nous voulons que le Saint-Esprit vienne encore nous apporter un second souffle, que le Saint-Esprit renouvelle en nous la force, l'esprit de sagesse et de révélation, que le Saint-Esprit nous amène encore
dans la profondeur de la sainteté. Que le Saint-Esprit nous amène encore dans la profondeur de l'intimité. Bien-aimé, tu vas prier. Que le Saint-Esprit vienne illuminer tes yeux. Que le Saint-Esprit vienne t'amener dans la profondeur. Que le Saint-Esprit vienne t'amener encore dans le secret. Oh, dans les... chanter quitta, oh bien-aimé, tu vas désirer, tu vas faire de cette chanson ta prière, tu vas désirer que le Seigneur agisse dans ta vie parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est redoutable, parce qu'il est adorable. Oh bien-aimé, oui, nous sommes là, nous sommes là. Oui, Jésus-Christ a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Voilà pourquoi nous voulons encore demander le second souffle. Nous voulons encore demander que le Saint-Esprit agisse encore. Que le Saint-Esprit nous renouvelle encore sa force et sa puissance pour que nous puissions accéder dans la présence de Dieu. Parce qu'il est merveilleux. Parce qu'il est redoutable. Parce qu'il est redoutable. Parce qu'il est redoutable. Jésus. Jésus, le sang, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es redoutable, Seigneur. Jésus, alléluia. Désire que le Saint-Esprit descende encore. Alléluia, oh Seigneur, laisse que tu viennes encore, que ton règne vienne encore. Cher Saint-Esprit, viens agir encore, Seigneur. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur. Oh Seigneur, quitte ce monde à l'époque. Morimo, quitte le Seigneur, le salam. Et toi là, ma sia, amitié ma, y'a pas sans tout. Olé Nanzambé, olé. Nzambe ngisa bandimi tumbona uyana yo mokonzi molimo molimo kita tosegi usala. Etola Masia, Etola Masia, Namitema, Yabasantu, Bole Nanzambe, Bole Nanzambe, Gengisa, Bandimi, Tomona, Guyana, Yo, Mokonzi. Kita, kita, kita ya solo kita, 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 kita ya solo kita. Holy Momo Santo, kita, te belelio, kita, kita yo sala, kita. Solo kita oto na zambe kita bebelelio kita kita yo sala kita ya solo kita solengeli masanjoli amite ma kita bebelelio kita olimo santuwe kita ya solo kita kolambika to chango netumelo kita kosa kose la moto Kita ya solo kita, oh, molimo mon santo, kita lelo yo,
Que le Seigneur t'accorde encore la puissance, que le Seigneur renouvelle en toi une puissance nouvelle, que le Saint-Esprit t'accorde encore la force, que le Saint-Esprit renouvelle encore dans ta vie sa présence, que le Saint-Esprit répande encore sa gloire, que le Saint-Esprit répande encore son onction, que le Saint-Esprit répande encore sa puissance sur tous ceux qui sont malades, sur tous ceux qui sont dans des problèmes, dans des soucis. Que le Saint-Esprit révèle encore la gloire de Dieu, la puissance divine, pour que les malades soient guéris, que les faibles soient réconfortés, que les aveugles voient. Oh, bien-aimé, prie encore, prie pour ta famille, que l'Esprit de Dieu descende, pour que le règne de Dieu vienne dans ta maison, que le règne de Dieu vienne dans tes affaires, que le règne de Dieu vienne dans ta santé, que le règne de Dieu vienne dans toutes les entreprises. Attends d'être comblé par toi. Que le Seigneur se révèle encore. Par toi, Saint-Esprit, nous avons besoin. Parce qu'il en est dur, parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est redoutable. Il est adorable, Seigneur. Tu es merveilleux, tu es redoutable. Désirons ton nom, Seigneur. Désirons ton nom, descends encore sur nous, Saint-Esprit. Désirons ton nom, Seigneur. Sur tous les enfants de Dieu, cher Saint-Esprit, agis. Manifeste encore la puissance divine. Communique-nous encore la nature de Dieu. Donne-nous de prendre part à la nature de Dieu. Donne-nous d'entrer dans la profondeur de l'infinité de notre Seigneur. Parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est redoutable, que tu répondes encore sur nous. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, Seigneur. Alléluia. Parce que tu es Dieu, parce que tu es Seigneur, maître de nos vies. Nous voulons encore savoir. Alléluia. Tu es merveilleux. Tu es redoutable. Tu es adorable, Seigneur. Saint-Esprit. Merci, Jésus. Saint-Esprit. Merci, Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es redoutable, Seigneur. Alléluia. Oh, bien-aimés, nous voulons écouter la parole de Dieu. Parce que le livre de Psaume 107:19 nous dit: dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il le délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et le guérit et le fit échapper de la fosse. Il envoya sa parole. Nous allons encore demander au Seigneur que sa parole puisse agir, que sa parole, que l'Esprit, le ministère de l'Esprit de vie agisse par la parole du Seigneur, que l'Esprit de ministère de vie agisse encore dans nos vies. Tu vas demander que le Seigneur te parle, que le Seigneur t'accorde une parole nouvelle qui va agir, qui va amener en toi une nouvelle intimité avec Dieu. Tu vas prier pour la parole, tu vas prier pour toi, que le Seigneur te parle, parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est redoutable. Alléluia, 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 Jésus. Jésus, tu es merveilleux. Esprit, 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 esprit. Oh, mon limo nanzambe, limo, mon limo, mon limo. Zambe, la kawe, lo banayoe.
Saint-Esprit de Dieu, merci de souffler en ce moment. Saint-Esprit de Dieu, nous t'adorons, nous reconnaissons ta présence. Nous saluons ta présence, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, béni sois-tu, merci pour ce moment. Que ce temps soit béni par toi. Parle à nos cœurs, glorifie le nom du Seigneur Jésus. En ton nom, Père, nous avons ainsi demandé. Amen. Bien-aimés, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. En ce jour, ce moment où nous sommes en train de célébrer la venue du Saint-Esprit sur la terre, je prie que quelque chose de particulier, de spécial se passe pour vous alors que vous êtes en train de passer ce culte dans cette atmosphère de la bénédiction et de la présence glorieuse du Saint-Esprit. Je nous invite à ouvrir la parole de Dieu. Nous sommes dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Jean, le 7e chapitre. Nous allons lire le verset 37, 38 et 39. Nous sommes dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 7, du 37e au 39e verset. J'ai avec moi la version Louis II en français. Je lis. Au nom du Seigneur Jésus, je parlais de Jean chapitre 7, 37 à 39. La Bible dispose. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un texte très important pour nous aujourd'hui, parce que ici, c'est le Seigneur qui déjà annonce une ère qui va arriver. Le narrateur lui-même est en train de dire, il commente au verset 39 en disant, il dit cela de l'Esprit qu'il devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Or, pour nous aujourd'hui, Jésus a déjà été glorifié et l'Esprit est là. Donc, cette parole est donc pour nous aujourd'hui, car nous sommes dans cette période où le Saint-Esprit est déjà au milieu de nous. Mais revenons au verset 37 pour cerner ce que l'Éternel veut nous dire en ce moment. Je vous prierai de garder cette atmosphère de prière dans la présence du Saint-Esprit. Le verset 37 dit, « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Ce mot « soif » a attiré notre attention. Quand le Saint-Esprit nous parlait de ce texte, il a attiré notre attention sur la soif. La soif, nous le savons, c'est un ardent désir. Un ardent désir de quelque chose de vital. La soif concerne une chose qui est une substance essentielle à notre vie. Et que lorsque vous n'avez pas cette chose, vous mourrez. Donc, nous avons soif de ce qui soutient notre vie. Nous avons soif, pas de quelque chose qui est secondaire à notre existence. Mais la soif concerne ce qui est essentiel à notre vie. Ce qui est source de vitalité. C'est pourquoi la soif est un désir qui nous presse. C'est lorsque notre soif n'est pas satisfaite, il y a la souffrance et ça peut même engendrer la mort. C'est pourquoi la soif est un désir fort d'une chose qui est vitale pour nous. Vous allez vous rendre compte que quand il n'y a pas d'eau, parce que quand on parle de soif, c'est souvent quand il n'y a pas d'eau, et les gens finissent par mourir. Notre société de distribution d'eau dit déjà que l'eau, c'est la vie.
quand nous parlons de soif, nous voyons directement l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau est vitale. Parce que l'eau est un élément essentiel à notre vie. Je peux vivre sans un travail. Je peux vivre sans le mariage. Je peux vivre sans un diplôme. Je peux vivre sans une voiture. Je peux vivre sans avoir une maison à moi-même. Mais je ne peux pas vivre sans l'eau. Parce que l'eau est vitale à mon existence. Donc la soif concerne donc ces choses, ces substances qui sont très importantes à la vie de l'homme. Que lorsque la personne n'a pas ces choses, la personne meurt. Et la parole de Dieu, parlant de la soif, cite quelques différents aspects où, pour lesquels l'homme a soif. Ah, si nous lisons le livre de Juges, chapitre 4, les versets 19, Juges 4, 19, la Bible nous présente un fait d'une personne qui avait soif. Il s'agissait de Sisera, qui s'est réfugié dans la maison de Jaël. Au verset 19, il dit, Juges 4, 19, il lui dit, « Donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. » Ici, la soif que Sisera avait, c'était la soif de l'eau à boire. C'est qu'ici, c'est de l'eau, l'eau que nous voyons naturellement. Il avait soif de cette eau. Comme chacun de nous, quand nous parlons de soif, nous pensons directement à l'eau. Mais il y a aussi une deuxième sorte de soif dont la Bible est en train de parler. Là, je le retrouve en Matthieu chapitre 5. Le livre de Matthieu chapitre 5, ça c'est le discours du Seigneur Jésus, le sermon sur la montagne. Le Seigneur Jésus va dire ceci. Matthieu chapitre 5, le verset 6e, je lis, il est écrit, « Heureux ceux qui ont faim et soif de quoi ? De la justice, car ils seront rassasiés. » La Bible dit que l'homme a aussi soif, non plus de l'eau, mais de la justice. Il y a aussi une troisième sorte. Là, je m'en vais dans le psaume, psaume 42. Psaume 42. Troisième sorte de soif que nous voyons dans la parole de Dieu. Psaume 42. La Bible dit ceci. Le verset 2. « Comme une biche soupire auprès de courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Mon âme, troisième strophe, « Mon âme a soif, pas de l'eau, pas de la justice, a soif de Dieu. » Et il ajoute « du Dieu vivant. » Pourquoi il ajoute « du Dieu vivant » Eh bien, parce que je disais que la soif porte sur les choses, sur les substances essentielles à notre vie. C'est pourquoi il dit « je n'ai pas seulement soif de Dieu, mais du Dieu qui est la source de ma vitalité. » C'est le Dieu qui me donne la vie. Dieu, si je peux le permettre de le dire, est la substance qui me donne la vie. C'est pourquoi il dit, j'ai soif du Dieu qui donne la vie, le Dieu qui me vivifie. Nous avons donc la soif de l'eau, la soif de la justice et aussi la soif de Dieu. Alors, si nous essayons de schématiser cela, nous allons nous rendre compte que l'être tout entier de l'homme a soif. La soif de l'eau concerne le corps. La soif de l'homme de l'eau, c'est au niveau physique. La soif de la justice n'est pas le niveau physique. Ce n'est pas le corps qui a soif de la justice. C'est l'âme de l'homme qui a soif de la justice. Il a soif que la justice soit faite par rapport à sa vie, par rapport à sa famille, par rapport à tout ce qui se passe en lui. C'est l'âme de l'homme qui soupire après la justice. Ça, c'est donc l'âme. Mais quand on parle de soif de Dieu, ce n'est pas le corps, ce n'est pas l'âme. Là, c'est l'esprit de l'homme. Il est vrai que dans nos versions françaises de l'Ancien Testament, nous avons le mot « âme ». Dans l'Ancien Testament, on utilisait de façon interchangeable le terme « âme »,« esprit » et même « cœur ». Donc quand on parle de l'âme, l'Ancien Testament veut parler de l'homme intérieur, notre esprit. Donc je disais que la soif concerne l'être entier de l'homme. Le corps a sa soif, l'âme a sa soif, mais l'esprit aussi a sa soif. Et le Seigneur a donc raison de dire ici, celui qui a soif. Rendez-vous compte, Jésus n'a pas spécifié de quel type de soif il parlait. Il n'a pas dit celui qui a soif d'eau qui vienne. Il n'a pas dit que celui qui a soif de justice vienne. Il n'a même pas dit celui qui a soif de Dieu qui vienne. Il dit que celui qui a soif vienne. Pourquoi le Seigneur l'a dit? C'est parce qu'il sait que tout homme sur la terre a soif. La soif, c'est intrinsèque à l'être humain. Parce qu'il nous arrive toujours de rendre compte que notre vie, il nous manque quelque chose. Ce serait peut-être du point de vue physique, soit du point de vue de l'âme, soit du point de vue de l'esprit. Mais le Seigneur veut dire, quelle que soit la sorte de soif que tu as, je suis disposé à t'accorder une solution. Et nous allons nous rendre compte de cela. Parce que le Seigneur dit que celui qui a, si quelqu'un a soif, il a crié,
Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et le commentateur nous disait déjà qu'il s'agissait du Saint-Esprit. En fait, pourquoi le Seigneur n'a pas spécifié? Je l'ai dit ici, parce que le Seigneur voyait la foule. Et ce jour-là, on a dit que c'était un jour de grande fête. C'était un jour de grande fête. Tout le monde était là. Les gens ne sont pas venus et dire, Seigneur, nous avons soif. Que nous n'avons rien, donne-nous. Mais le Seigneur lui-même crie devant tout le monde parce qu'il voyait la foule. Il dit, même si vous êtes en fête là, je lis en vous la soif. Même si vous êtes en train de célébrer aujourd'hui, c'est un culte de fin de la fête des tabernacles. Il dit, je vois en vous la soif. C'est pourquoi je vous dis, pour la soif que vous avez, j'ai une solution. Ce que je veux dire, c'est que chacun de nous, nous nous retrouvons dans la soif. Mais il nous arrive parfois de ne pas nous rendre compte. C'est pourquoi la soif, au fait, part du fait que l'homme a un problème. C'est quand l'homme est conscient que la soif se manifeste. Mais l'homme est en difficulté. L'homme est en problème. C'est pourquoi le Seigneur Jésus n'a pas attendu que les gens viennent dire. Il avait déjà lu qu'il y a un problème dans les hommes qui suscitera la soif. Et je leur dis que j'ai la solution. Suivez un peu, je veux en venir petit à petit dans ce que je suis en train de dire. Quand le Seigneur dit si quelqu'un a soif, il n'a pas spécifié, parce que comme je l'ai dit tantôt, il sait que tout être humain sur la terre a affaire à la soif. Pourquoi? Parce que la soif, avant d'être un sentiment, avant d'être un désir que tu ressens toi-même, la soif est d'abord l'état, la condition de vie de l'homme. Le Seigneur Jésus a vu que les hommes sur la terre sont dans un contexte de soif, sont dans l'état de soif, sont dans la condition de soif. Je vais m'expliquer. Avant que la soif ne devienne un désir pour toi, tu dois être dans une condition qui fait que tu as soif. Et c'est de cette condition que le Seigneur avait vu. Il a lu l'humanité. Il a vu l'humanité dans un contexte de soif. Même quand eux-mêmes n'ont pas encore ressenti ses besoins, il avait déjà vu qu'ils sont dans un contexte de soif. Comment s'agit-il quand on parle de contexte de soif? Cela veut dire quoi? Dans la parole de Dieu, je vais présenter quelques contextes de soif dans lesquels nous tous sur la terre, nous nous retrouvons, soit dans l'un, soit dans l'autre. Le premier contexte de soif dans lequel l'homme se retrouve, c'est le désert. Le désert, c'est un lieu de privation d'eau. Suivons ce que la Bible dit en 2 Samuel, chapitre 17, le verset 29. 2 Samuel 17, le roi David venait de fuir la ville de Jérusalem parce que son fils voulait prendre son trône. Le roi David s'est enfui. Et maintenant, après, ils sont en train de revenir dans la ville. Et voici ce qui se passe en 2 Samuel 17, le verset 29. La Bible dit ceci. J'aimerais lire à partir du verset 27. Lorsque David fut arrivé à Mahanaïm, Scobie, fils de Nachak, de Rabba, de fils d'Amon, Makir, fils d'Amiel, de Lodébar, et Barzilaï, le Galaïde, de Roguelim, apportèrent des lits, des bassins, des vases de terre, du froment, de l'orge, de la farine, du grain rôti, des fèves, des lentilles, de pois rôti, du miel, de la crème, des brebis et de fromage de vache. Ils apportèrent ces choses à David et au peuple qui était avec lui, afin qu'ils mangeassent, car ils disaient, ce peuple a dû souffrir de la faim, de la fatigue et de la soif ou dans le désert. Le peuple savait que David était dans le désert. Ils se sont dit, ces gens ont souffert la soif. Pourquoi? Parce que le désert est un contexte de privation d'eau. Et celui qui est dans le désert souffrira nécessairement de soif. Même quand il n'a pas crié, la soif, ça fait partie du problème que l'on rencontre quand nous sommes dans le désert. C'est pourquoi le Seigneur, voyant la vie des hommes qui sont dans le désert, il dit, vous avez soif. Quand même vous ne le dites pas, Jésus, je connais que vous avez soif. Je disais que le premier état de la soif, c'est le désert. Suivons encore ce que David va dire en psaume 63. Psaume 63, toujours en parlant du désert. Psaume 63, en parlant du désert. Psaume 63, ça s'ouvre de cette manière-ci. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. David était dans le désert de Juda quand il composait ce psaume. Écoutez ce qu'il va dire. « Oh Dieu, tu es mon Dieu. » Je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée et sans eau. Il explique, «
qu'est-ce qui suscite cette soif? Il est dans les déserts de Juda. Il dit que c'est une terre aride, desséchée, sans eau. Et là, dans cet état, dans cette condition désertique, il a une soif. Il dit son âme et son corps soupirent après Dieu. Cette soif est montée, pourquoi? Parce qu'il était dans l'état des déserts. Et cet état désertique avait suscité la soif dans le cœur de David. Bien-aimé, il est probable que tu sois dans un désert de ta vie. Ce désert est un état de soif. Ce désert où tout est devenu sec, il y a l'improductivité dans tout ce que tu fais. Tu sens même dans tes moments de prière que tes prières sont devenues sèches. Tu ne reçois plus la révélation de Dieu. Même quand tu médites la parole de Dieu toi-même, tu n'arrives plus à ressortir, comme le psaume dit, les merveilles de la parole de Dieu. Tu lis la Bible, mais c'est devenu comme une terre aride pour toi. Il n'y a pas de sémence, il n'y a pas le pain. Tu ne retrouves rien. Même dans la famille, vous vous rendez compte que les relations entre parents, ça ne marche plus. Il n'y a plus d'harmonie dans la maison. Votre maison est devenue désertique. Peut-être du point de vue relationnel, ou même du point de vue économique. Quelle que soit la condition désertique dans laquelle vous êtes, le Seigneur a lu votre problème. C'est pourquoi il dit, si quelqu'un a soif, dans son désert, j'ai de l'eau pour lui. J'aimerais dire à une famille maintenant, vous traversez un temps de désert. Peut-être à cause du confinement, votre désert est économique. Il est peut-être alimentaire. Soit c'est spirituel, du point de vue personnel. Toi, dans ton ministère, homme de Dieu, tu te rends compte que tu fournis beaucoup d'efforts, mais c'est improductif. Tu traverses ton désert, il y a une eau pour toi. Jésus dit, si tu as soif dans ton contexte de désert, j'ai une eau pour toi. Il y a de vie, je prie que les vies qui sont dans une situation aride reçoivent l'eau que le Seigneur a réservée pour nous. Parce qu'en Osée chapitre 2, le verset 3, le Seigneur en parle. Osée chapitre 2, le verset 5, pour certaines versions c'est le verset 3, dans ma version c'est le verset 5. Osée 2, 5, sinon, je la dépouille à nu, je la mets comme au jour de sa naissance, je la rends semblable à un désert, à une terre aride, et je la fais mourir de soif. C'est qu'il y a des vies qui sont rendues désertiques. Ça, c'est la vie d'une personne qui est venue comme une terre aride. La vie d'une personne est venue comme un désert, et le Seigneur dit qu'il va mourir de soif. C'est pourquoi le Seigneur dit, si quelqu'un a soif, tu te rends compte que tu es dans l'hôpital, que ta vie est devenue aride, ta vie est devenue comme un désert, c'est à toi que le Seigneur parle. Il dit, si tu as soif dans ton état de désert, j'ai une eau pour toi. Reçois ton eau dans le nom de Jésus. Que les déserts de ta vie rencontrent le Dieu qui vivifie. La deuxième situation de soif, c'est l'épuisement. Là, je suis en Juges, chapitre 15. Juges chapitre 15, les versets 18. Juges chapitre 15. Il s'agit de Samson. Samson vient de manifester un acte de bravoure. Il a remporté une victoire légendaire. Il a fait un acte héroïque. Lequel? Il n'a pas seulement battu, mais la Bible dit qu'il a tué 1000 Philistins avec une mâchoire d'âne. Ce n'est pas qu'il les a frappés seulement. Il les a tués. Tuer quelqu'un, ce n'est pas facile en tout cas. Il a tué, il les a battus jusqu'à les tuer. 1000. Et voici, après cette grande victoire, qu'est-ce qui se passe? Je suis en Juges 15, les versets 18. La Bible dit, je commence par les versets 17 alors. Quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire et l'on appela ce lieu Ramat Leshi. Les versets 18. Pressé par la soif. Samson se retrouve, après cette grande victoire, il est pressé par la soif. Il invoqua l'Éternel et dit, « C'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif ?» La soif peut tuer. « Mourrai-je de soif ? Tomberai-je entre les mains des incirconcis ?» Dieu fendit la cavité du rocher qui a léchi et l'a sorti de l'eau. Samson but. Son esprit se ranima et il reprit vie. C'est de là qu'on a appelé cette source En Akoré. Elle existe encore aujourd'hui à Léchi. Amen. Bien-aimé, la soif de Samson, ce n'est pas parce qu'il était dans un lieu désertique. L'état de sa soif, c'était après une grande victoire. Après avoir dépensé de l'énergie spirituelle et physique. Il peut nous arriver aussi aujourd'hui.
Nous sommes dans un contexte de soif, pas parce que nous sommes dans un lieu désertique, mais nous sommes épuisés à cause de tout ce que nous avons dépensé comme énergie. Peut-être que depuis le confinement, vous avez pris soin de plusieurs personnes. Vous êtes un personnel soignant. Vous êtes un médecin, un infirmier. Vous êtes rendu compte que vous devez traiter plusieurs personnes qui venaient. Il fallait remonter leur morale, leur dire que tout ira bien, le Seigneur agira. Vous êtes débordé dans votre travail. Vous avez fait de grands exploits. Mais maintenant, vous vous sentez épuisé. Vous avez remporté de grandes victoires. Dieu vous a utilisé pour délivrer des vies des personnes, des cas de maladie, des possessions des esprits mauvais. Et le Seigneur vous a utilisé puissamment. Vous avez dépensé beaucoup d'énergie. Et vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, vous n'avez plus de force. Vous êtes fatigué. Un peu comme Josué qui a conduit le peuple d'Israël. Ils ont remporté des batailles et ils ont conquis une grande partie de la terre promise. Mais Dieu lui dit, tu es devenu vieux, mais la terre à conquérir n'est pas encore finie. Mais Josué est déjà fatigué. Le Seigneur parle aussi à ces personnes qui ont beaucoup prié. Ils ont beaucoup jeûné. Ce n'est pas qu'ils ont échoué. Ils ont remporté de grandes victoires. Ils ont fait des exploits. Vous avez dépensé beaucoup de choses. Pendant ce temps de confinement, vous avez aidé les gens qui n'avaient rien à manger ici et là. Mais toutes vos forces économiques sont finies. Ce n'est pas que vous regrettez. Vous avez fait un très bon travail, mais vos ressources sont parties. Vos ressources spirituelles sont finies. Vos ressources financières sont finies. Et votre état est cet état de Samson. Mais Samson a crié à Dieu, « Ne me laisse pas mourir après que j'ai fait toutes ces choses. Ne me laisse pas tomber entre les mains des incirconcis. » Alors que tu m'as utilisé pour délivrer, tu m'as utilisé pour prendre en charge ces personnes, tu m'as utilisé pour encadrer ces gens ici, tu m'as utilisé, Seigneur, pour secourir cette famille-là. Seigneur, je n'ai plus de force. Il dit, si tu as soif, viens, je l'eau pour toi. Il y a une eau, homme de Dieu, pour toi qui te sens déshydraté, épuisé, après avoir fait de grandes choses pour le Seigneur, car la route est encore longue. La route est encore longue. Peut-être que tu te dis, j'ai fait tout ce que je pouvais faire, mais je n'ai plus de courage. Le Seigneur voit cet état de soif d'une personne qui est épuisée après avoir fait beaucoup pour sa maison. Tu jeûnais et priais et enfin Dieu a répondu. Tu as fait beaucoup de sacrifices pour élever des enfants. Aujourd'hui, ils sont mariés, ils sont tous partis. Mais toi-même, tu te sens dépouillé. Tu n'as plus de force. Le Saint-Esprit est venu pour ça. Et ta situation est cet état qui a poussé le Seigneur à crier. Si tu as soif, viens. Car j'ai une eau pour toi. Si tu as soif, viens, car j'ai quelque chose à t'offrir. La troisième condition de soif, c'est une condition de tourment. Je vais lire Luc 16, 24. Ici, il s'agit de la parabole de l'homme riche qui s'est retrouvé dans le tourment de l'enfer. Et voici ce qu'il va dire, verset 24. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Il demande à ce qu'on lui envoie ne serait-ce qu'une goutte de l'eau. Pourquoi? Il souffre cruellement dans le tourment de l'enfer. Cette personne est en situation de soif, pas parce qu'il est dans un désert, pas parce qu'il vient de faire un acte de bravoure qu'il a épuisé, mais parce qu'il est dans les peines. Il est dans le tourment. Il est dans l'angoisse. L'angoisse aussi nous fait susciter un désir de changement. C'est ce que le Seigneur a appelé soif. Jésus-Christ à la croix, en Jean 19, le verset 28, il a crié, j'ai soif. La Bible dit, afin que l'Écriture s'accomplisse. Jésus a dit, j'ai soif. Pourquoi Christ a dit, j'ai soif? C'est vrai, c'est afin que l'Écriture s'accomplisse. Mais c'est aussi pour nous montrer que Christ a pris la condition de l'homme. Quand Christ a crié à la croix, j'ai soif, c'était toi. C'était ta place. C'est à ta place qu'il a crié, j'ai soif. C'est parce qu'il sait que l'homme sur la terre est une personne qui est dans la soif. Christ était là. Les deux autres brigands n'ont pas crié soif. Pourquoi? Parce que d'abord, pour les cas de Jésus, en dehors du fait qu'il nous a représentés, Christ, nous avons vu tout ce qu'on lui a fait. Il avait été battu, en sorte que même pour porter sa propre croix, il n'a pas pu. On a dû prendre Simon de Cyrène pour l'aider à porter sa croix. Jésus avait déjà perdu beaucoup de sang. Jésus était fatigué à cause de tout ce qu'on lui a dit. On se moquait de lui. Il a eu une charge physique, une charge spirituelle. Et à ce moment-là, Dieu l'a abandonné. Donc Christ, quand il dit « j'ai soif », il n'a pas dit « il avait soif de quoi ?»
il avait soif dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. C'est pourquoi il avait dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? La soif de Jésus était la totalité de la soif de l'être humain sur la terre. C'est pourquoi Christ dit ce jour-là, celui qui a soif qu'il vienne, quel que soit ton problème, j'ai une solution pour toi. Bien-aimé, j'insiste en disant, peu importe le sort de soif que tu as, viens d'abord sur Jésus. Il va s'occuper de la situation. Peut-être que tu peux penser que non, Dieu n'attend simplement que je puisse avoir soif de Dieu. Non. Le Seigneur Jésus, il a guéri des gens. Il a sauvé des gens. Tous n'étaient pas venus pour leur salut. Il y a des gens qui sont d'abord venus pour la guérison. Mais Jésus dit, ton péché est pardonné. La personne est venue pour la guérison. Mais il dit, comme tu es venu chez moi, je traite le vrai problème et je donne ce que tu voulais. C'est pourquoi il a dit, peu importe ce que tu trouves comme besoin, viens d'abord. Commence par venir. Quand tu arriveras, je te donnerai ce qui convient pour toi. Et c'est là que le Seigneur voulait nous faire comprendre que frère, Jésus, vous savez, dans la loi de l'offre et de la demande, souvent, c'est quand il y a beaucoup de demandes que l'offre se présente. Mais Jésus n'a pas attendu la demande. Il a déjà offert. Il a dit que j'ai une eau pour tout celui qui aura soif. J'ai une eau. L'offre était là avant la demande. Ce qui veut dire quoi? Dieu a déjà réservé une solution avant même que tu ne puisses exprimer ton problème. C'est là que je veux dire le thème de notre message qui d'ailleurs touche à sa fin, c'est Dieu a réservé l'esprit pour toi. Dieu a une réserve de l'esprit pour toi. Quand Jésus dit ça, c'est de toute éternité. Dieu a vu que la situation de l'homme sur la terre est la situation de la soif. C'est lorsque l'homme réalise qu'il est dans un désert, c'est lorsque l'homme réalise qu'il est épuisé, c'est lorsque l'homme réalise qu'il est dans l'angoisse que va naître la soif. Sinon, le problème est déjà là il y a longtemps. Il est déjà dans un désert. Tu es déjà épuisé. Tu es dans une angoisse. Mais peut-être que tu ne te rends pas compte que c'est une situation qui te rend favorable pour que le Seigneur vienne à ton secours. Et je prie que l'Esprit de Dieu t'ouvre les yeux pour que tu comprennes que ma situation est une situation de manque, est une situation de soif pour laquelle je dois crier à Jésus, sinon je mourrai. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu a réservé une portion de l'Esprit pour toi. Bien-aimé, comme je l'ai dit, le Seigneur nous appelle à lui parce qu'il connaît l'état de la vie de l'homme. Je donne un exemple, j'ai l'habitude de le donner parce que ça m'a marqué dans ma vie. Il était une fois, mon père avait payé un poste récepteur de radio, une petite radio. C'était joli en tout cas. Quand il a payé la radio, je l'ai vu. Ah, ça m'a plu. Hein. Je n'avais même pas l'idée d'avoir une radio, mais quand j'ai vu ça chez mon père, j'ai dit, waouh, c'est joli quand même cette radio. Je vais demander ça à papa. Un jour est arrivé, j'ai demandé à papa, j'ai dit, papa, est-ce que tu peux me donner la radio que tu viens de payer récemment là? Il dit, en fait, de toute façon, je l'avais payé pour toi. Je l'avais payé pour toi, j'attendais seulement le moment favorable pour te les donner. Oh, ça m'a fait du bien. Ça m'a marqué en sorte que jusqu'à aujourd'hui, je n'oublie pas ça. J'ai demandé beaucoup de choses à mon père, mais ça là, je n'ai pas oublié parce que pour une fois, j'ai demandé ce qu'il avait acheté pour moi. Moi, j'ai pensé que c'était pour lui. Et pourtant, c'est venu à la maison pour moi. Bien-aimé, Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour toi. Peut-être que tu peux penser que quand je demande le Saint-Esprit à Dieu, c'est comme si je veux demander à Dieu ce qui est à lui. Il l'a disposé pour toi. S'il est venu sur la terre, c'est pour toi. Ça n'attend que toi. Quand tu vois un frère à côté, une soeur à côté, être rempli par l'Esprit, utilisé par l'Esprit, ne te dis pas qu'il a tout fait. Il n'a pas tout fini. Il n'a même pas touché à ce qui est à toi. Même un 5%, il n'a pas touché. Le Saint-Esprit, ce n'est pas comme la bénédiction qu'on a donnée à Ésaü, qui est parti à Jacob, que lorsque Ésaü est venu, non, j'ai déjà donné. Non! Le Saint-Esprit, Ayo Ezali, ce qui est à toi existe. Quand tu vois un homme de Dieu, que Dieu est en train de servir, il n'a pas épuisé pour toi. On n'a même pas touché ce qui est à toi. Dieu a réservé l'Esprit pour toi, car il sait que tu as soif. Quand tu iras au ciel, Dieu ne dira pas, bon, tout ce qui était à toi, comme tu n'as pas vite demandé, j'avais donné à côté. Non, tu iras trouver ce qui était à toi là. C'était resté. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux, que par ta soif, tu dis, Père, donne-moi ce qui est à moi. Car ma part est là. C'est réservé pour toi. Personne d'autre ne le prendra. Si tu ne demandes pas, Dieu ne va pas donner à une autre personne. Il est juste.
Encore une autre illustration qui m'était venue de l'homme de Dieu, paix à son âme, Renard Bonke. Il dit qu'il a grandi dans une famille pauvre. Leur maman, ils étaient 10 enfants. Leur maman avait un principe. Elle ne peut pas acheter quelque chose pour un enfant quand elle n'a pas pour les 10 autres. Si elle a une banane, elle doit être sûre que les 10 enfants, chacun aura sa banane. Si elle va acheter un bonbon, elle doit être sûre que les 10 enfants, chacun aura son bonbon. Alors, Renard Bonke dit qu'un jour, il a vu son grand frère sucer un bonbon. Il dit, d'abord, nous, les bonbons, c'est rare. On est famille pauvre. Si le grand frère a un bonbon, c'est que c'est maman qui lui a donné. Et si maman a un bonbon pour le grand frère, c'est qu'il y a un bonbon pour moi. Il n'a même pas demandé à son grand frère où tu as eu, parce qu'il sait qu'il n'y a que maman qui peut donner. Et dès qu'il est arrivé chez moi, il a dit, maman, où est mon bonbon? Maman a dit, voici ton bonbon. Ce que j'ai dit, c'est quoi, frère? Quand tu vois Dieu toucher l'autre, il y a ton bonbon chez Dieu. Il y a ta... C'est pour toi, oh. Si tu ne vas pas, ah. C'est ça la bonne nouvelle, le cœur du Père. Dieu n'a pas attendu qu'on demande, il a déjà disposé. Frère, c'est pourquoi je dis, quel que soit ton problème, viens d'abord. Dieu va s'occuper de ton cas. Le Saint-Esprit, frère, le Saint-Esprit, il est arrivé que nous avons limité le Saint-Esprit aux sphères spirituelles. Le Saint-Esprit, nous avons besoin de lui pour tout. Que ce soit pour le corps, pour l'âme, pour l'esprit, pour nos problèmes relationnels, pour nos finances, pour nos études. Le Saint-Esprit est la réponse de Dieu maintenant pour tout ce dont nous avons besoin dans notre vie, frère. C'est pourquoi, viens à Jésus. Dis, Jésus, me voici. Je veux boire de l'Esprit. L'Esprit de Dieu va te conduire dans ta relation. Il va te conduire dans tes études. Il va te conduire dans tes finances, dans ton ministère. Il n'y a aucun domaine de la vie où le Saint-Esprit ne pourra rien faire. C'est parce qu'on a limité le Saint-Esprit aux choses religieuses ou spirituelles. Non, il est Dieu en tout et pour tout. C'est pourquoi il dit, quelle que soit ta soif, viens à l'eau. Le Saint-Esprit va s'en occuper. Que tu sois malade, le Saint-Esprit va s'en occuper. Que tu sois dessus dans une relation, le Saint-Esprit va s'en occuper. Que tu sois appauvri à cause du confinement, le Saint-Esprit va s'en occuper. Quel est le problème? Je ne sais pas. Jésus dit, quelle que soit ta soif, je ne refuse personne. Venez d'abord, je vais m'en occuper. Si c'est un mauvais sentiment, je vais corriger, mais je te donnerai toujours ce qui convient. Je t'invite à venir à Jésus. Je vais finir avec quelques illustrations pour nous dire que le Seigneur qui nous appelle, il connaît notre problème. Il y a une personne qui, à un moment donné, pleurait parce qu'il avait perdu un être cher. Même dans ce songe, il continuait à voir cette personne qui était morte. Mais ce que Dieu a fait, lorsqu'il a rencontré le Saint-Esprit, un baptême du Saint-Esprit est arrivé dans sa vie. Il a oublié le deuil parce que le Saint-Esprit l'a consolé. Je me rappelle d'une autre fille. Elle habitait dans leur maison était contiguë avec un temple. Et pendant que les bien-aimés qui sont au service de louange étaient venus pour répéter, ils faisaient juste un temps de culte. Ce n'était pas en fait un culte, c'était une répétition. Ils étaient simplement en train de répéter, c'était un jour de travail, ils sont venus pour répéter. Finir de faire la vaisselle, tu vas entrer là-bas, assiste un peu aux adorateurs qui sont en train de répéter. Elle dit, ah, mais je ne fais pas partie de leur groupe. Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Il dit, je t'ai dit, quand tu finis de faire la vaisselle, va là-bas, va assister. Il dit, bon, d'accord, comme maman a dit, oh, on fait quoi? Quand elle a fini de faire la vaisselle, elle est entrée au temple où ce bien-aimé était en train de répéter. Ce n'était pas la prière, je vous dis, c'était seulement en train de répéter. Quand elle s'est assise, moins de 5 minutes, le Saint-Esprit a saisi la fille. Elle était venue par enfin, comme on dit à tout ça, au bon moment, le binaya. Elle est assise. Au moment où les gens sont en train de répéter, l'Esprit de Dieu l'a repérée. Et l'Esprit de Dieu l'a saisie jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, le Saint-Esprit travaille dans la vie de cette personne. Je me suis dit, mais elle n'a pas demandé. Elle n'était même pas venue là pour prier. Ce n'est pas forcing qu'elle est arrivée là, par contrainte. Mais c'est pour montrer que Dieu veut te donner son esprit. Quand même, la fille n'avait pas demandé. Ce n'était même pas dans sa pensée. Mais Dieu brûle des désirs de te faire du bien. Bien-aimé, il y a un cœur du Père là-haut qui t'aime et qui a une eau pour toi. Ésaïe 55 dit, « Vous qui avez soif, venez aux eaux, sans rien payer. Vous qui avez soif, viens simplement en Jésus. Il y a le Saint-Esprit pour toi. Le Saint-Esprit pour tout le domaine de ta vie. Bien-aimé, toi qui es enfant de Dieu aussi comme moi, je t'invite à solliciter la présence de l'Esprit dans tout le domaine de ta vie. Comme je dis,
La soif, c'est d'abord pour l'état dans lequel nous sommes. Mais ça devient un désir parce que nous avons reconnu qu'on a besoin de Dieu. Et je prie que Dieu attise ta soif encore. Pour qu'il dise, je veux encore de l'esprit. Dans le domaine de mes finances. Dans mon domaine relationnel. Dans ma santé. Dans mon ministère. Dans mes études. Dans toutes les autres choses. Et que la gloire du Seigneur se manifeste encore dans ta vie. Prions le Seigneur. Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Oh, commence à prier là où tu es. Jésus dit, viens seulement, je te donnerai l'eau. Jésus ne pose aucune condition. Il dit, viens à moi. Je veux de l'eau pour toi. Je veux l'esprit pour toi. Tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens. Jésus, je viens à toi. Je viens à toi tel que je suis. Prends-moi. Il t'appelle ce matin. C'est à toi qu'il adresse ses messages. C'est à toi qu'il le bénit. Parlez. Car il a vu ta soif. Approche-toi de lui. Tel que tu es. Comme le prédicateur l'a dit. Mais importe quelle est ta soif. Quelle que soit ta soif. Juste approche-toi. Lui, il vient de te donner sa main. C'est à toi de saisir sa main. Oui, il est là. C'est pourquoi, en disposant nos cœurs devant le Saint-Esprit, partout où tu es bien-aimé, il est là, il est présent. Nous allons chanter ces cantiques que Jésus, ce que nous voulons, c'est toi. Ces gens-ci, ils étaient dans la fête et ils pensaient que leur vrai besoin était la nourriture. Ils pensaient que leur vrai besoin était de l'eau, était le vin. Mais Jésus avait lu d'autres besoins que eux ne voyaient pas. Et Jésus les a identifiés. C'est pourquoi il a dit, si vous avez soif, venez. Jésus connaissait déjà qu'ils avaient soif. Mais il a voulu seulement dire, si tu avoues que réellement tu as soif, alors viens. Il est là. Chantons ce que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi, Jésus. Ce que nous voulons, c'est toi. 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 Allez, confinement, nous voulons. Ce que nous oui, dans ce confinement, nous voulons Jésus. Dans ce confinement, c'est lui dont notre cœur a besoin. Nous voulons, c'est toi. Même dans la crise. Ce que nous voulons, c'est même toi. Même dans la crise, c'est lui que nous avons besoin. Jésus. Ce que nous voulons, c'est toi. Même dans l'hôpital, nous voulons Jésus. Oui. Ce que nous voulons, c'est toi. Même sur les lits des malades, tu veux Jésus, tu as besoin de lui. Ce que nous voulons, c'est toi. Même dans la prison, tu as besoin de Jésus. Ce que nous voulons, c'est toi. Ton eau. Ce que nous voulons, c'est toi. Même au milieu du deuil, tu as besoin de Jésus. Ce que nous voulons, c'est toi. Même au milieu du tourment, ce que nous voulons, c'est toi. Au sous-souté, au béléo, ce que nous voulons, c'est toi. Au milieu de cette carence, tu as besoin de Jésus. Même dans les déserts, que le répandre sur nous. Ce que nous voulons, c'est toi. Oui, chante avec ton âme, chante avec ton cœur, chante avec toute ta force et tes pensées. Toi. Alors réponds sur nous,
repends sur nous comme une aiguille, une éprise légère de la douceur de ta présence, ta nuée nous entoure, oh, oh, ta nuée nous entoure, oh, ta nuée nous entoure, nous entoure. Ta nuée nous entoure, ta présence, ta présence nous entoure, ta gloire, ta présence nous entoure, ta gloire, ta gloire nous entoure. Oui, sa gloire est en train de descendre dans votre maison. Commence maintenant à prier. Commence à prier. Commence à prier là où tu es. Désire, désire le Saint-Esprit qui déverse dans votre vie, qui déverse dans votre maison, qui déverse dans votre famille sa gloire. Qui déverse sa vie et qui ouvre les ciels. Oui, le ciel est ouvert. C'est le ciel est ouvert. Oui, les fenêtres du ciel sont ouvertes afin que la pluie, du Saint-Esprit descend afin que la pluie de la présence de Dieu coule sur votre vie, coule sur votre cœur. Oui, commence à les désirer. Là où tu es en train de traverser, c'est l'île désertique. Commence à désirer l'Esprit de Dieu dans ce désert où tu es, dans ce désert où tu te retrouves, dans ce désert où ton couple se retrouve, dans ce désert où ta famille te retrouve. Désire-les dans l'épuisement, dans l'épuisement. Toi qui es épuisé, tu es épuisé, tu n'as plus de force. Désire que l'Esprit de Dieu te remplisse. Le tourment de la vie, dans la maladie. Oui, pleure. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu touche la vie. L'Esprit de Dieu remplit la vie. L'Esprit de vie souffle ta gloire. Ton esprit de Dieu. Laisse-nous mourir. Nous ne laisse pas mourir de soi. Que tu ne puisses pas mourir dans le désert. Que tu ne puisses pas sécher. Que Dieu te fertilise. Que Dieu te fertilise. Nous venons. Puis ton âme a besoin du Saint-Esprit. Ton âme a besoin de l'Esprit de Dieu. Jésus, nous venons à toi. Désire-le de mon cœur. Désire-le de mon cœur. Désire-le de mon cœur. Désire-le de mon cœur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Réveille-toi, Seigneur. Se révèle dans ta vie, dans ce temps de désert. Qu'il puisse rendre ton désert un milieu fertile. Qu'il puisse faire jaillir de l'eau, comme il a fait jaillir de l'eau du rocher, alors que son peuple était dans le désert. Oui, le rocher a jailli de l'eau. Et ce rocher aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Que Jésus fasse jaillir des eaux vives dans votre maison, des eaux vives dans votre foyer, dans votre couple, des eaux vives dans votre famille. Oui, désire-les ardemment. Oui, il est le torrent de vie, le torrent de gloire, qu'il vous remplisse, qu'il te comble. Ce n'est que lui qui peut combler ta soif. Ce n'est que lui qui peut combler et étancher ta soif, bien-aimé. Jana, souffle Esprit de Dieu. Sur cette assemblée réunie en prière, souffle Esprit de Dieu. Répands ton onction et répands ta lumière. Souffle Esprit de Dieu. J'entends Saint-Esprit, console. Oui, l'Esprit de Dieu, le consolateur. Il est le consolateur des cœurs brisés. Il est le consolateur des cœurs attristés. Il est le consolateur des cœurs endeuillés. Oui, le Saint-Esprit te console. Esprit de Dieu. J'entends Saint-Esprit, consolateur. Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel, souffle Esprit de Dieu. Bien-aimé, maintenant, tu vas encore prier. Tu vas prier le Seigneur que ce Dieu de gloire, comme le prédicateur a dit, parfois ta vie est devenue sec. Quand tu lis la parole, il n'y a plus de révélation, il n'y a plus de rhéma.
Quand tu pries, tu sens que tu es dans la monotonie. Tu sens que tu es dans la routine. Tu sens que tu es resté traditionnel. Tu es resté religieux. Il n'y a plus de vie dans tes moments de prière, dans tes moments d'intimité. Maintenant, tu vas désirer que le Saint-Esprit rallume ta flamme spirituelle. Que le Saint-Esprit rallume le feu de l'Esprit en vous. Que le don de l'Esprit en vous soit encore rallumé. Que la flamme de la prière soit encore rallumée dans votre maison. Où sont les prières des familles dans votre maison? Vous ne priez plus ensemble. Vous ne priez plus en couple. Maintenant, le Saint-Esprit vient vous rallumer. Le Saint-Esprit vient vous relever. C'est pourquoi tu vas commencer à prier. Commence à prier que le Seigneur rallume votre flamme. Que le feu du Saint-Esprit tombe dans votre maison. Et que vous puissiez encore vous élever dans la prière. Commence à prier, bien-aimé dans le Seigneur. Commence à prier. Ô cher Saint-Esprit, nous ne voulons pas nous détacher de toi. Nous ne voulons pas nous séparer de toi. Sans toi, notre vie est rien. Notre vie trouve son sens à côté de toi. C'est en restant connecté à toi, en restant attaché à toi. Parce que toi, Christ, tu es le vrai sceptre et nous sommes les serments. Oh, les serments ne peuvent rien faire sans toi. Les serments doivent rester attachés au vrai sceptre. Nous ne voulons pas être des serments qui se sont détachés du sceptre. Mais nous voulons rester attachés à toi. Oh, cher Saint-Esprit.